Bonjour c'est Likat, bienvenue sur la chaîne m'éclate pour la présentation de ce jeu très particulier, Islands End, qui euh, remporte beaucoup 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 d'avis favorables. C'est un jeu de chez Matago pour 14 ans et plus de 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 60 minutes. Alors la boîte est pas mal du tout. Voilà. Avec des belles illustrations. Et on va... L'ouvrir et rentrer dans le vif du sujet avec une, une petite présentation du matériel. Alors, pour commencer, il y a une. Euh, ce qui est bon à savoir, c'est que dès le départ, ils ont fait des packs pour euh, des, des paquets de cartes tout près, en fait, qu'on laisse sans mélanger, qu'on positionne selon leurs indications. Donc, euh, ça permet de mettre en place rapidement une première partie. Ils conseillent 4 héros, euh, 4. Euh, Match de la brèche à utiliser avec selon le nombre de parties, de joueurs, euh, des cartes à enlever parmi ces, ces cartes là. Mais bon, ça permet de lancer facilement un marché et, et de lan te lancer dans le jeu assez rapidement. Donc en ayant vu quelques vidéos, pourquoi pas les miennes et quelques parties, en fait, ceci vous aidera à euh, mettre tout en place et à vous lancer facilement. Alors on voit rien que déjà euh, quelques illustrations là qui sont vraiment 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 pas mal la notice avec euh, surtout euh, des tours expliqués des mises en place euh, voilà avec euh, des petites euh, particularités euh, bien expliquées avec euh, pas mal d'illustrations sympathiques euh, voilà avec des némésis, des mages des mages de la brèche. Alors, en fait, le principe, c'est qu'il y a eu une, une sorte d'apocalypse, et ça fait très longtemps d'ailleurs. Et dans ce monde où on vit, je pense plus ou moins tous enterrés dans des cités souterraines, on va dire, euh, notre monde est attaqué par des némésis qui utilisent des brèches. Et en fait, au fil du temps, on a appris à manipuler ces brèches et on est devenu des mages des, des brèches, ce qui nous permet d'utiliser de, de, notamment des sorts et, euh, à travers ces brèches pour euh, résister à, aux attaques de ces Némésis et de leurs serviteurs, en fait. Donc, vous verrez que il euh, y a, euh, voilà, des Némésis vraiment sympas et et en fait, ce qui est pas mal dans ce jeu, c'est qu'il y a une particularité. C'est que dans la plupart des jeux de deck building, quand on a fait, euh, fini notre pioche, on mélange la défausse et on la remet en pioche. Là, en fait, on, au fur et à mesure de nos plis, on aura 5 cartes. On va en défausser normalement 3-4. On va en acheter peut-être, donc on va se retrouver à nouveau avec 4-5. À ce moment-là, on les range au moment où on les défosse dans l'ordre qu'on l'on veut, parce que le paquet de la défosse va être pris tel quel, retourné, et on repart dans le, dans le sens qui a, où il y a eu le rangement, en fait. Donc, il n'y a pas de mélange de, de défosse avant de refaire la pioche. C'est une des particularités vraiment, vraiment intéressantes de ce jeu, ça rajoute un peu de stratégie. Alors, au niveau, des mages des brèches, il y en a énormément. Il y en a 8 d'entrée, donc avec chacun une petite histoire décrite derrière. Euh, un nombre de charges à utiliser pour pouvoir mettre en place, enfin lancer leur sort. Donc on a un adepte ou une adepte. Je dirais plutôt que c'est une jeune femme. Euh, ensuite, on a une ancienne qui redonne de la vie. On a une orpheline assez jeune. On a une capitaine de la dague. On a une voyante. On a un armurier. Une chercheuse. Et un éclaireur. Donc, huit personnages avec chacun leur particularité. Et après, je vais décrire un peu plus euh, leur, la carte et notamment la mise en place des boches. Ensuite, on a 4 Némésis avec leur description, leur nombre de points de vie, un effet déchaîné, donc quand elles s'énervent, on met en place cet effet déchaîné, il est indiqué ici à chaque fois, l'effet du déchaînement en fait. Ici il y a une petite onglet euh, règle pour plus de difficultés, donc ça rajoute un peu de... si. Au bout d'un moment, on estime qu'on a suffisamment d'expérience pour euh, s'ennuyer, mais bon, avant que ça arrive, il faudra le faire. On peut rajouter de la difficulté ici. Euh, ensuite, les règles qui concernent cette, euh, cette Némésis. Parce que, autre particularité, chaque Némésis a un fonctionnement, une, une mécanique différente, ce qui fait que ça rajoute énormément d'intérêt au jeu. Euh, par exemple la rage incarnée va accumuler des pions au bout de 4 pions elle va lancer une attaque avec un paquet de cartes particuliers qui lui est propre, un paquet de frappes et on va remélanger ces frappes et au prochain tour quand il y aura à nouveau 4 rages incarnées après avec des effets déchaînés au bout de 4 pions aura à nouveau accumulés on refera un effet etc donc euh, chaque Némésis a des, des particularités ou des mécaniques particulières. Par exemple, celle-ci a un plateau qui est propre à sa mécanique, avec des bogs qui sont des sortes de larves, on dirait. Donc, une reine des carapaces qui va essaimer des, des bogs sur ce plateau. Et quand il y aura une ligne et, dans, et une carte où il y aura marqué essaimer, en fait, on appliquera les. Euh, les attaques qui sont ici, les, euh, les, les attaques puissantes ou les, les actions puissantes qu'elle peut faire, et sach, en sachant que si on arrive au bout là, on aura perdu. Après, euh, chaque bog n'a qu'un point de vie. Donc on verra qu'en faisant des dégâts, on peut assez rapidement nettoyer ce, euh, ce plateau de bog. On a le masque tordu avec un pack de cartes corrompues qui vont venir s'ajouter dans le nôtre et nous embêter. On a euh, le prince des gloutons, qu'on n'a pas encore joué. Donc on verra, euh, on verra euh, le, ses particularités. Je vois que de 1 à 2 joueurs, par exemple, dévorer 3 cartes de la pile euh, la moins chère de la réserve. Oula. Donc lui, en fait, il diminue la, les cartes de la réserve. Donc on verra ce que c'est la réserve. Euh, donc, après il y a un, apparemment un pack dévoré, un paquet dévoré. Je ne sais pas comment on va les récupérer, mais voilà. Et chaque fois derrière les Nemesis il y a euh, toute leur histoire. Donc, je pense que je ferai des petits scans avant les, les parties pour euh, bien se mettre dans l'ambiance et bien montrer les, les particularités. Alors, il y a un compteur de points de vie pour les Némésis. Alors elles ont 70 ou 60 en général. Donc euh, ça, ça dépend de la Némésis. Ensuite, notre cité qui est attaquée s'appelle Gravehold. Et elle a 30 points de structure au départ. Donc là, on voit euh, la, la cité avec toutes les lumières. Donc je sais pas si on le voit bien bien. Donc euh, si, malheureusement, ça arrive à zéro on aura perdu la partie. C'est une des raisons pour lesquelles on peut perdre la partie. Pour gagner, par contre, il faut réduire la némésis à 0 ou épuiser son paquet d'attaques, mais ça, on verra après. Alors ensuite, il y a des jetons euh, double face, ici, par exemple, qui servent pour euh, soit la rage incarnée, pour faire des furies, des, des pions de furie, au bout de 4, euh, elle, elle attaque euh, avec son paquet frappe, ou des côtés euh, bog, qu'on vient place, placer sur la piste des bogs. Donc ils ont prévu le coup, il y a dans les deux sens, c'est pratique. Ensuite, on a euh, des points de vie, en rouge. Alors, des petits euh, 5 et 1, il y en a énormément, donc euh, suffisamment pour tout faire. Voilà. Ensuite, des jetons de puissance pour les attaques des serviteurs, ou des plutôt des attaques dans le paquet de, de cartes de la Nemesis, on le verra après. Voilà. Au niveau jetons, on a encore les charges, qui servent euh, lorsqu'on les accumule, hop, je reprends une carte, à remplir au fur et à mesure euh, le tableau des charges ici là, et quand on arrive au bout, on a possibilité d'utiliser la charge. Donc ça, ce sont des charges. Et les derniers jetons, ce sont les jetons qui vont servir pour l'ordre du tour. Alors, je vais en parler de suite après. Voilà, il y en a 4, de 1 à 4. Ça permet... Euh, on choisit un, un chiffre et ça, c'est pas forcément le 1 qui commencera, on verra pourquoi. On choisit un, un chiffre et ça correspondra à notre chiffre d'ordre dans le tour. Et on le placera... Ils ont tout prévu. Une case ici pour le numéro, le numéro du joueur. Ici, les points de vie. Alors, j'ai parlé d'ordre du tour. Autre particularité de ce jeu, il y a un paquet de cartes ordre du tour. En fait, selon le nombre de joueurs, par exemple, si on est à deux joueurs, il nous indique de mettre deux cartes joueur 1, deux cartes joueur 2 et deux Nemesis. À chaque tour, en fait, on va mélanger ce paquet. Et ça va nous donner le nouveau tour, le nouvel ordre du tour de, de jeu, en fait. Donc, ce n'est jamais la même personne qui va commencer, jamais la même personne qui va euh, faire les actions en premier. Donc, ça va être aléatoire. Donc, c'est une des particularités euh, de ce jeu, qui est très intéressante. C'est euh, le fait que, en fait, il y a bon, une sorte de suspense c'est jamais, euh, l'ordre n'est jamais, jamais établi. D'autant plus qu'il y a, euh, je crois, des. Euh, des euh, mages de la brèche qui, peut, qui peuvent réorganiser ce paquet ordre de tour et euh, c'est vraiment intéressant, ça rajoute euh, un petit plus euh, au déroulement du jeu. Alors on a, à savoir qu'ensuite quand on joue à 3 on enlève, on, on garde plus qu'une carte de, de chaque, de 1 à 3 plus 2 némesis et une carte joker à ce moment là quand elle on la tirera. Euh, un des deux, trois joueurs choisira, enfin de, demandera à jouer un tour supplémentaire en fait. On s'arrange entre nous. Si on joue à quatre joueurs, il n'y a pas de Joker et ça va de 1 à 4 plus de Nemesis. Voilà. Ça, c'est pour les ordres du tour. Alors, pour euh, chaque aventurier, il est précisé une main de départ et une pioche de départ. Voilà. Du coup, euh, par exemple, pour celle-ci, elle commence dans sa main avec un éclat d'émeraude, trois cristaux, une étincelle, et ensuite, dans son paquet, il lui restera trois euh, cristaux et deux étincelles. Alors en fait, il y a un gros paquet euh, cartes de départ avec euh, des aides pour les tours d'un joueur. Il y en a quatre pour le nombre de joueurs. Et on a ces fameux cristaux qui rapportent au départ, ils sont à zéro, c'est les plus faibles qui rapporte euh, chacun ici ce symbole là de ressource, c'est le symbole éther c'est une ressource, ça permet d'en cumuler pour pouvoir acheter des cartes dans la réserve, ça on le verra ensuite il y a les sorts de base, les étincelles qui font juste un dégât et chaque euh, mage de la brèche a un pouvoir ou une, euh, un objet particulier, par exemple celui-ci euh, c'est celui de Xaxos, je crois. Donc, ici, on m'a demandé de prendre un éclat d'émeraude. Donc, c'est une carte particulière qui lui est propre. Donc, si je vais chercher dans le paquet des mains de départ, voilà éclat de quartz, de tourmaline et d'émeraude. Par exemple, celle-ci, elle fait gagner euh, une, euh, un éther. Ou alors un joueur gagne un point de vie. Donc ce qui est vraiment pas mal pour ce, ce mage-là. Chaque mage a du coup, par exemple, il y en aura un qui aura un éclat d'améthyste qui fera gagner un, et un allié peut piocher une carte puis défausser une carte de sa main. Chaque mage a euh, une carte particulière dans sa main de départ souvent. Plus après, des cristaux et des étincelles. Une fois qu'on a bâti le paquet et qu'on a pris dans sa main euh, les premières cartes, euh, on va pouvoir acheter rapidement des cartes dans la réserve. Alors, il y a deux façons de constituer la réserve. Soit on connaît les cartes et on va chercher directement, on peut aller directement chercher celles qui nous intéressent. Soit on a ici un paquet de tirage aléatoire qui, rep qui, qui représente une carte euh, de chaque catégorie. Alors, il y a trois catégories. Les gemmes. Qui en, en général permettent d'avoir des ressources et quelques petites particularités. On a des reliques qui sont des cartes à utiliser. Euh, ce n'est pas un sort, on n'aura pas besoin de l'invoquer, donc on peut l'utiliser facilement. Il y a, alors, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept euh, gemmes au départ, ou plus, je ne sais plus. Sept, ouais, sept gemmes au départ. Euh, des reliques, il y en a un peu moins, mais je crois qu'il y en a quand même plus que ça. Donc j'ai dû voilà, en mettre vers la fin. Alors au départ, il n'y a que 6 reliques possibles. Mais vous verrez qu'on n'a pas besoin de 6, en fait. Voilà. Donc chacune avec une particularité. Et ensuite, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sorts différents qu'on pourra avoir. Donc dans ces paquets aléatoires, pour mettre le marché en place, soit... On connaît les cartes et on va les chercher directement. Soit on vient piocher, on mélange par exemple le paquet des gemmes. Et chaque fois, le marché est constitué de trois gemmes. Donc là, je vais en prendre trois. Voilà. Hop. Ensuite deux reliques. Hop. Hop. Et. 4 sorts 2, 3 et 4. Alors en général, on les classe par ordre de coût. Voilà, ça permet de voilà d'orienter un peu selon nos ressources. Donc là, j'ai tiré au hasard complètement un marché. À ce moment-là, il y a dans la boîte classé avec des petites intercalaires d'ailleurs dès le départ. Euh, sachant que j'ai tout slivé, et il reste encore de la place, donc quand il va y avoir des extinctions, des extensions, euh, je pourrais en rajouter sans problème. Donc par exemple, il y a toutes les cartes de gemmes. On ira chercher par exemple les jades. Il y en a un, petit, un bon petit paquet. Et on viendra en placer celle-ci. Et on va faire pareil pour toutes les autres cartes pour constituer le marché. Donc c'est une façon de faire, sinon, si on connaît, par exemple, si on sait que les gemmes, euh, c'est une des cartes de base qu'on veut, parce qu'elles ne pas cher et qu'elle rapporte autant, euh, à ce moment-là, on va chercher directement les gemmes, mais on respecte 3 gemmes, 2 reliques, 4 sorts, pour constituer le marché. Voilà, donc il euh, y a un paquet conséquent de gemmes, un paquet ben, euh, conséquent de reliques et de sorts, ici, là, donc ici, ça c'est les reliques, ça c'est les sorts, et ça c'est les gemmes, c'est en proportion on va dire de, de euh, du nombre de, de cartes qu'on aura besoin et de la variété quoi alors hop. Voilà. je range le tirage aléatoire voilà hop. alors ensuite alors, ici, il y a les fameuses cartes pour les paquets. En fait, quand vous ouvrez les paquets, il y en a une au-dessus, une en dessous. On ne mélange pas, c'est précisé dessus. On le pose tel quel et on peut l'utiliser. Donc, après, ces cartes-là ne servent plus, à part si on veut s'en servir pour euh, voilà, faire une petite intercalaire supplémentaire. Alors, ensuite, on va trouver des cartes de base de Nemesis. Avec ici, en tout petit, des valeurs. 1. Hein, 2 et 3. Alors là, c'est un petit peu dérangé parce que euh, on a dû faire une partie, donc je vais les remettre dans l'ordre. Au moins ça sera fait. Voilà. Alors, pour l'instant, sans les décrire, on sait qu'on a trois catégories de cartes de base avec des pouvoirs et euh, des petits serviteur, donc je vais vous montrer le paquet euh, en gros de la, de la phase 1 euh, voilà par exemple ici il y a déchaîner et donner des dégâts à Grévolde. ici les fameux points de puissance que j'ai montré tout à l'heure, on a les petits jetons ceci là on les pose là dessus, on en met deux parce que c'est puissance 2 et chaque fois qu'on va tirer une carte Nemesis, on va enlever un de ces jetons. Quand il n'y aura plus de jetons, on va appliquer ce qu'il y a là. Et des fois, on, peut, on a la possibilité de défausser cette carte en faisant une action. Ici, c'est détruire une carte de votre main coûtant deux éthers ou plus. Alors, il y a là pour, pour comme pour beaucoup de jeux de deck building, il y a une notion de supprimer et détruire, enfin défausser pardon et détruire. Défausser, on vient comme son nom l'indique, le mettre dans la défausse, détruire, on la sort du paquet complètement du jeu, et elle ne sera plus utilisée dans cette partie. Après, on pourra l'utiliser, euh, tout de On ne va pas détruire complètement la, la carte, quand même. Hein. Euh, voilà, il y a des serviteurs. Donc, on a des attaques, des pouvoirs, qui ont des puissances, qu'on peut, euh, peut défausser ou pas, avec des effets. Par exemple, celle-ci, on ne peut pas la défausser. Il faudra appliquer l'effet quoi qu'il arrive au bout de trois tirages de Némésis, de tours de Némésis. On a des serviteurs qui sont des créatures avec des points de vie et un effet. Là, quand on le sort, on n'applique pas directement son effet. C'est le tour d'après où il sera appliqué, en fait. Voilà, donc euh, ça c'est la phase 1, par exemple. Phase 2, avec, euh, voilà, euh, réparti. Donc plus on monte dans ces phases, 1, 2, 3, plus... C'est costaud. Pourquoi Parce que on va prendre par exemple euh, le paquet de la reine Carapace. Elle va avoir elle aussi un paquet qui lui est propre avec des cartes, avec des numéros de phase aussi. 1, 2 et 3. Trois. trois cartes de, numéro, de niveau 1, de phase 1, de 3 de phase 2 et 3 de phase 3. En fait, pour la mise en place de son paquet, ici dans, dans la notice, est indiqué le nombre de cartes de base selon le nombre de joueurs qu'on va rajouter à ce, à ce paquet d'attaques. Comment ça se passe Par exemple, on va prendre un exemple à deux joueurs. Euh, ils nous disent de rajouter 3 cartes de palier 1, 5 cartes de palier 2 et 7 cartes de palier 3. Euh, 3. Donc le principe c'est que on fait un tas de paquets 1 de l'ennemi, un tas de paquets 2 de l'ennemi et un tas de paquets 3 de l'ennemi. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va aller chercher le nombre de cartes de palier 1 indiqué. C'est-à-dire que ici c'est 3, donc je vais mélanger mon paquet Prendre 3 au hasard sans les regarder. Là, c'est juste pour l'exemple. Normalement, on retourne tout. On fait pareil pour le, le palier 2. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je le retourne. Normalement, toutes les cartes sont retournées. Hein. Donc c'est pas grave, c'est juste pour l'exemple. Et 7 du. Donc quoi qu'il arrive, il y en a 7 du niveau 3. Et quoi qu'il arrive, il y en a 7 au niveau 3. Donc elles sont toutes mises. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre la phase 1, la mélanger avec les cartes de la base de la phase 1. On va faire, on va mettre ça de côté. Donc là je ne les mélange pas. Hop là, alors ça c'est 2. Voilà. Donc je ne les mélange pas, mais le principe c'est on les mélange ici. Avec euh, les cartes de base. On fait un paquet. On le met Phase 2. On le mélange avec celui-ci. Tac. On mélange. On mélange. Phase 3, on mélange ici. On mélange. Et on a un paquet quand même, euh, voilà, un hein, plus conséquent. Là, j'ai pas mis les cartes pour pas euh, avoir à tout trier. Une fois qu'on a fait ça, on prend le paquet, la phase 1, on la met sur la phase 2. Et sur la phase 3. En fait, on va se retrouver avec un bon paquet avec des difficultés classées dans l'ordre. On ne remélange pas une fois qu'on a fait ce paquet-là avec les, les cartes classées en phase 1, 2 et 3. Ça permet d'avoir une difficulté qui augmente. Ça permet d'installer nos paquets, nos cartes, normalement, la plupart du temps. Ça peut, il peut arriver qu'on se chope une carte un peu euh, compliquée dans les phases 1 ou 2 et qui nous embête un peu plus que... Voilà. Parce qu'il y a quand même une part d'aléatoire. Hein. Toutes ces cartes phase 1, euh, au départ on n'en met que 5, 3. Voilà, donc il y en a encore qui sont euh, de côté, quoi. Hein. Et selon les cartes, il euh, y a des effets euh, plus ou moins embêtants. Donc ça, ça permet d'avoir une bonne rejouabilité. Alors, chaque euh, Nemesis a son paquet. Euh, à savoir, par exemple, que la rage incarnée, j'ai parlé de tout à l'heure d'un paquet de frappe. qu'il y a des cartes particulières qui sont un paquet en particulier avec ici un dessin de la rage incarnée. Celle-ci, c'est à chaque fois qu'on aura 4, on viendra piocher une carte, faire l'effet, on la remet dedans, on mélange et ainsi de suite. À chaque fois, ce paquet se réutiliser sans qu'on défausse les cartes. Par contre, elle a 1, 2, 3, phase 1, 2, 3 de ces cartes ici auxquelles on va rajouter les cartes de base. Donc, j'ai parlé d'une condition de victoire tout à l'heure, c'est si on arrive à survivre et qu'elle a épuisé tout son paquet constitué des phases 1, 2 et 3, sans nous tuer, on emporte aussi la partie. Voilà, parce qu'elle elle, s'est en quelque sorte épuisée, elle n'a plus d'attaque pour nous embêter. Alors, euh, là, le masque tordu. Lui il a des cartes corruption, il a un paquet de cartes corruption ici, c'est voilà. Ça fait penser aux cartes malédictions de Harry Potter, défense contre les forces du mal. Ça vient se mettre dans nos paquets ou dans notre main. On, les, on est obligé de les appliquer dès qu'on les a dans la main, donc dès qu'on a notre tour et une carte comme ça, on est obligé de faire son, son effet. Et euh, par contre, je crois que c'est pareil, on la remet dans le paquet euh, des cartes corrompues. Donc, celui-là ne s'épuise pas. Par contre, elle a un paquet aussi de base de, de propre à, au masque tordu, auquel on vient rajouter les cartes de base. Voilà. Donc, on arrive à, à avoir une bonne rejouabilité avec tous ces, toutes ces, phases, ces cartes de phase différentes. Et c'est un des intérêts du jeu. Alors. Ici, voilà, je vais un peu zoomer. On a une autre particularité. Alors, déjà, on a une encoche ici pour mettre la pioche une encoche ici pour mettre la défausse et ici, on voit qu'on a une petite encoche, deux grandes encoches et une autre petite encoche. Alors, on a les fameuses brèches qui sont de cette, euh, constituées comme ça. Alors, la brèche 1, par exemple, elle est toujours ouverte, quoi qu'il arrive. Elle viendra se placer là. Il y a un match de la brèche, je crois, qui n'a pas de, de brèche 1. Mais bon, ça, c'est fait. Chacun va voir si c'est représenté. Ici, une brèche 2. Qu'est-ce qu'il y a d'indiqué sur ces brèches Déjà, ici, on voit que, en fait, il nous donne comment on va poser la brèche au départ. Ici, ça sera comme ça. Alors, comment c'est constitué Là, la brèche, elle est fermée actuellement, celle-ci. Mais on voit qu'il y a un petit anneau à l'intérieur avec des coups pour stabiliser la brèche et un coup ici si on veut acheter directement la... Si on veut ach... ouvrir, pardon, pas acheter, ouvrir directement la brèche. Alors, ici, c'est comme ça. Si à un tour, on a... Un, deux sorts dans notre main, qui a que celle-là qui est ouverte, parce que je vais expliquer après à quoi servent les les brèches. On a la possibilité de stabiliser. Donc stabiliser, on paye ce coup-là et on fait tourner d'un quart de tour. D'accord. Ici, on voit que la, la zone bleu, euh, jaune, il euh, y a une flèche. Ça veut dire que la prochaine fois, si une carte nous fait stabiliser ou si on paye deux, on va ouvrir la brèche. Et On aura une deuxième brèche ouverte. Chaque plateau a des symboles différents ici, c'est à dire que euh, il pourra y avoir un héros avec euh, des brèches euh, tournées différemment par rapport aux, aux, autres, aux autres héros. C'est à dire que celle-ci est comme ça, la 3 est comme ça. Et la 4 est comme ça. Donc celle-ci, elle est pas mal parce qu'il y a celle-ci et celle-ci en faisant une stabilisation et euh, on, on, ça va réduire le coût et on pourra l'ouvrir. Parce que plus on ouvre des brèches, plus on a de possibilités de lancer des sorts. Alors, je vais prendre une carte sort, ou deux même. Le principe des sorts et de ces brèches, parce qu'on est quand même des matchs de la brèche, c'est la façon de faire les dégâts. Si dans notre main on a des sorts, on peut en poser un sur un, une brèche ouverte dès notre départ de, de, de tour. Il n'est pas lancé pour l'instant tout de suite, il est préparé. Il sera lancé la prochaine fois que viendra notre tour. Par contre, ces brèches ne sont pas ouvertes, mais on peut les stabiliser. C'est-à-dire que pour deux, ici, si j'utilise deux, euh, deux éterves par rapport à une gemme, ou deux, je tourne d'un quart de tour, et ayant stabilisé ma brèche momentanément, j'ai la possibilité de poser un sort pour ce tour aussi. Par contre, la différence, c'est que quand viendra mon prochain tour, celui-ci, je ne suis pas obligé de le faire tout de suite. Celui-ci, comme c'est sur une brèche stabilisée, il sera utilisé obligatoirement. Alors quel est l'intérêt Il y a des sorts qui ne sont euh, pas forcément intéressants à utiliser à tous les tours. Il y en a qui restent sur les, une brèche ouverte et qui ont des effets du fait qu'ils restent sur une brèche ouverte. Alors, on voit sur ces brèches, par exemple les, la dernière, que le coût de stabilisation et d'ouverture sont grands. Euh, ce qui, en fait, c'est surtout parce qu'une fois qu'on retourne la 3 et la 4, il euh, y aura un dégât supplémentaire. Euh, pour, pour cette brèche. Quoi. Voilà. Dès qu'on viendra mettre un sort, même si au départ il n'a pas forcément un dégât, du fait qu'il est sur cette brèche, il y aura un, un dégât supplémentaire. Donc on voit que par exemple, si on est euh, ici au départ, normalement ça c'est le départ parce que il faut la stabiliser une, alors, une deux, trois fois pour pouvoir après l'ouvrir. Ça c'est en stabilisant et en ouvrant. On a, dès le départ, la possibilité de l'ouvrir pour 13. Par contre, voilà, c'est pas évident d'avoir 13. Ou la stabiliser pour 4. Donc on peut, au fur et à mesure, en ayant peu de ressources au départ, tourner, jusqu'à que, après, le coût de l'ouverture soit, devienne intéressant. Il y a des cartes qui font stabiliser des brèches, j'en ai, ai parlé, gratuitement ou pour 3 de moins, donc c'est pas mal aussi. Ça permet euh, de stabiliser gratuitement une fois, deux fois, trois fois, etc. Et si on arrive au dernier ici, et qu'il ne reste plus que l'ouverture, si on utilise une carte stabilisée une brèche, ça ouvre automatiquement la brèche. Voilà. Alors ça, c'est une petite notion un petit peu compliquée au départ, mais une fois qu'on a bien compris le principe, après euh, voilà, ça se passe euh, tout seul. Euh, je pense qu'on a fait euh, pas mal le, le tour après de tout ce qu'il y a. Je pense que le mieux ça sera de voir une partie. On essayera d'en faire une à trois, je pense, euh, ce qui est pas mal. Et euh, alors je ne sais pas encore si on constituera notre marché aléatoirement. Je ne pense pas, parce qu'au début en fait, euh, quand on n'a pas l'habitude de jouer ce qui sera le cas de parce qu'on a avec madame on a déjà fait quand même pas mal de parties, ce qui sera le cas du troisième qui sera avec nous, euh, quand on n'a pas l'habitude de jouer. Euh, en fait, euh, les cartes qui sont intéressantes dans le marché, on, on sait euh, celles qui qu vaut mieux aller chercher, en fait, on commence à savoir celles qui vaut mieux aller chercher. le fait de, de faire un tirage aléatoire, ça rajoute une difficulté. Qui, euh, je pense, sera utilisé, on le fera avec madame, euh, peut-être quand on fera une sorte de campagne où on verra euh, de, de façon à tirer, euh, peut-être pas les héros au hasard, parce qu'on a aussi des préférences, mais au moins le marché au hasard. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. C'est un jeu magnifique donc. Euh, que j'ai acheté, donc, euh, que j'ai eu, pardon, que le Père Noël Philibert m'a déposé au pied du sapin. Voilà. J'espère que euh, cette présentation vous a plu, ça vous a donné un petit intérêt pour voir, au moins déjà voir quelques parties, et pourquoi pas euh, acheter le, le jeu. Alors, de mémoire, je crois qu'il est à, euh, je sais plus, 40, 40 45 euros peut-être. Avec tout le matériel qu'il y a dedans et euh, ensuite les extensions. J'en ai pris une que je devrais recevoir rapidement. Euh, rajoute euh, déjà euh, forcément une émesis, des mages de la brèche, et va rajouter encore une autre une autre euh, possibilité d'avoir euh, plus de cartes au marché, plus de choix. Donc ça ça, ça offre énormément énormément de reajoubilité. Voilà. Je vous dis à bientôt. Si ça vous a plu, des pouces levés. Si vous voulez la voir la suite, abonnez-vous. Et puis, euh, protégez-vous, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.